Beaucoup trop mignons, hein, les petits gars. Trouver où tu te caches, c'est du gâteau. Du gâteau? C'est minable comme blague. Eh, t'es aussi gracieuse que cette bouteille. Y a du mieux. Détritus, c'est ton petit nom? J'en peux plus, ça suffit. Alors, il s'est caché où, le pingouin qui fait du foin? Hé, hey, le roi des calembours, vous ne me faites pas rire. Tu n'as pas pu aller bien loin, le pingouin. Je vais te cueillir. Tu ne pourras pas t'envoler. Ça, c'est certain. Un gland? Quoi? Ah non, merci, Fred, j'ai pas faim. Hein? Non, je t'ai demandé ça pour savoir si c'était vraiment un gland. Je trouvais que ça ressemblait à une noix de pécan. Mais t'as certainement raison, il doit plutôt s'agir d'un gland. Oui, j'en suis sûr maintenant, c'est un gland. Tu es obligé de parler comme un moulin? Tu ne comprends donc pas qu'à la moindre bêtise que tu dis, à la moindre syllabe que tu émets, tu puises dans notre réserve d'oxygène et nous mets en danger. Kowalski! Syndrome de réclusion! Mais je peux le combattre grâce à mon intelligence, ouais! Si je me concentre sur un casse-tête, je garderai toute ma vivacité d'esprit. Mais quel casse-tête? Le théorème de Gödel? Non, trop facile. Pourquoi il veut un théonème? Théorème! Il doit bien y avoir une raison. Que lui seul connaît. 600 que je multiplie par 22, auquel je retire 53 que je divise pas. Je les aurai. Commandant, est-ce que tu as un plan B? Mais bien sûr, on reste caché ici jusqu'à la date d'expiration du lait de vache. Ensuite, on profite de l'odeur putride du lait caillé pour désorienter l'agent X. T'es sûr que c'est une Non, tu as raison, on louperait le match. Ok, j'ai une autre solution, cette fenêtre. Elle est un peu haute et ce ne sera pas évident. C'est bon, on y va, suis-je